Salut à tous, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série donc sur l'élevage de cochons. Donc j'ai décidé d'appeler cette série Pig Farm. Donc merci à Bruno Siric qui m'a laissé un commentaire sur la première vidéo. Et merci aussi à tous ceux qui ont joué le jeu et qui ont essayé de me donner des noms pour la série. Donc ça fait plaisir, donc j'ai choisi ce nom. Et donc aujourd'hui au programme on va aller ramasser un peu de paille pour pouvoir pailler les cochons. Et puis après on va essayer de placer quelques bâtiments que Patrick m'a gentiment donné. Donc c'est parti. Tac, on va prendre le 70-30. Donc on va tricher un peu pour les ramasser, on va faire ça avec les plateaux autoload. Ça va plus vite et on les déchargera avec les fourches. Tac. Donc merci oui, à tous ceux qui ont commenté la première vidéo et qui m'ont donné des noms. J'étais indécis et je viens tout juste de choisir juste avant de tourner cet épisode. Donc merci, merci à vous. Tac. On a proposé aussi Pixeb, je sais plus qui a dit ça. C'était pas mal, bien trouvé. Mais bon, par respect envers mon chef de team, je vais pas choisir cette solution là, mais c'était bien trouvé. Il aurait été très content Seb si j'avais choisi ça, je pense. Tac, bon allez, c'est parti, on va commencer à charger en trichant bien sûr. Si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, je pense qu'il y en aura beaucoup qui seraient contents. Après tout, ce n'est qu'un jeu hein. Je sais que Juju le Savoyard, lui, il adore faire ça. Bon, moi aussi, mais pendant une vidéo entière avec tout ce que j'ai à ramasser, je pense que vous en aurez vite marre si je faisais ça toute la vidéo. Donc ça permet d'aller un peu plus vite. J'avais déjà commencé à ramasser un peu hors vidéo, parce qu'il y en avait pas mal dans le champ, je sais plus exactement combien, mais... J'ai commencé à les ranger dans le bâtiment à la ferme. Hop, voilà. Ça va permettre de pouvoir pailler les cochons parce qu'ils seront un peu sur la terre. Comme ça nous donnera un peu de fumier pour pouvoir... Je pense que ce champ là je le ferai en soja ou ce dont les, je sais pas, je verrai, blé ou ce que les cochons ont besoin. Et on essaiera aussi de faire un peu d'herbe pour leur donner vraiment tout, du maïs, de l'herbe, tout ce dont ils ont besoin. Comme ça on aura un taux de productivité qui sera plus haut. Je pense qu'à chaque vidéo aussi je rajouterai je pourrais une quinzaine de cochons par vidéo, comme ça au bout de la série on en sera rendu à pas mal de cochons, donc on aura beaucoup de choses à faire à chaque fois. Bon, allez, un tracteur qui double une voiture, c'est magnifique. Donc ouais, après on va essayer de se placer les bâtiments de stockage en fin de vidéo. Je vais essayer de faire ça si ça peut vous donner quelques idées, c'est pas plus mal. On va se mettre comme ça. Par contre il faut que je
J'appuie sur décharger, voilà. Toc, on va prendre le petit Fendt. On va activer le chargement automatique. Donc je joue au volant, donc si c'est pas précis précis, c'est pour ça. J'essaie de m'appliquer quand même. Mais... Donc pour l'instant je vais les stocker là les ballots et puis on verra après pour prendre des bâtiments de stockage de bottes là. Ces espèces de tunnels verts, je sais pas si vous avez vu, ils sont bon, sur tous les sites de mode. Et que je trouve assez sympa, il y en a beaucoup par chez moi, donc j'essaierai de mettre ça pour stocker les bottes, que ce soit les bottes d'herbe ou les bottes de paille. Parce que je pense que ça va partir relativement vite quand j'aurai atteint un nombre de cochons assez important. Faudra payer souvent. Donc il faudra que j'en refasse encore pas mal de ballots, je pense. Bon ça va, j'ai pas trop perdu la main. Arrivé bien sur les 15, donc il n'y a pas de raison que ça change sur les 17. Bon, après, ça nous aide bien avec le chargement automatique, c'est vrai que ça nous facilite la vie quand même. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop faire ça. Moi, ça me dérange pas. C'est appréciable de le faire, je trouve. Hop. Mais ça ira aussi en fin de vidéo de prendre la pailleuse et de pailler les cochons. Comme ça on va pouvoir lancer, augmenter le taux de productivité parce que là il est assez bas quand même. J'espère que les balles tiendront avec la sauvegarde, ça c'est moins sûr. J'aimerais pas y retrouver toutes par terre. Je sais pas s'il y a ce problème là sur le 17, mais sur le 15 c'était assez fréquent que tout se retrouve par terre. Je suis en train d'arracher le bâtiment. Là. Ça, faudra qu'on fasse des patates aussi. Je pense que ce sera le prochain épisode, ce sera les patates. On les fera en paloc ou en... Je pense que ce sera en paloc. Ça va changer un peu. Pareil, on les stockera. J'essaierai de trouver des bâtiments de stockage pour les palocs. On va mettre ça dans la prairie derrière. Comme ça au moins. Ce sera tout bon. Je sais pas exactement. J'ai même pas regardé. Pour les cochons, tout ce qu'il faut. Donc l'eau, ouais, l'eau faudra qu'on en remette aussi. Donc du blé, de l'orge, colza, tournesol, soja, pommes de terre et betterave, du maïs ou du CCM aussi. Ah oui, on pourra faire aussi du CCM. J'ai vu qu'ils avaient sorti un concasseur, on pourra essayer ça.
pour essayer ça aussi en vidéo, parce qu'il y avait le premier mode pour le CCM, c'était le transborder concasseur, je sais pas si... Je trouvais pas ça très réaliste, je pense pas que ça existe en vrai, parce que c'est pas comme ça que ça se fait normalement. Mais là j'ai vu qu'ils avaient sorti un concasseur qui fait un peu plus réaliste, donc je pense qu'on essaiera de faire ça en vidéo quand j'aurai un champ de maïs à récolter. Ça pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voudriez voir, s'il y a quelque chose en particulier que vous voudriez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut me donner des idées aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on voit souvent les mêmes choses sur farming, donc si je peux vous montrer quelque chose que vous voudriez voir, bah ce serait l'occasion. Donc bon, bah on va aller chercher une deuxième remorque, je sais pas combien il y en aura, deux ou trois, je sais pas exactement. Hop, je pense qu'avec encore deux, je pense, et puis on sera pas mal. Seb m'a donné sa maladie, je suis bourré. J'ai bu trop de vin encore. Heureusement qu'il n'y a pas trop de circulation sur la route là, parce que... J'aurais déjà fini dans une voiture, je pense. Tac, allez, c'est parti. Je vais aller voir un peu par là aussi. Tac. Ça a l'air d'être tout bon. Ah, on en aura peut-être. Il n'y aura pas assez de place, je pense, pour tout prendre. Je pense qu'il faudra revenir encore. Quoique. Ah, s'il faut revenir, mais pas pour beaucoup, je pense. Donc, n'hésitez pas à télécharger cette map, je la trouve vraiment bien faite. Il y a plusieurs fermes. Plusieurs fermes, il y a pas mal de champs, elle est vraiment bien foutue. Bon, les champs sont un peu carrés entre guillemets, mais c'est vrai qu'au niveau ferme, etc., c'est vraiment, elle est vraiment bien faite. Et en plus, vous la trouvez directement dans le menu de farming, donc. Elle est pas trop mal optimisée, ça va. Je sais pas si elle existe sur console, mais je pense, enfin, ouais. Après on sait pas trop. Je pense que vu qu'elle est sur le menu, elle doit y exister pour console. Je ne sais plus du tout. Et si vous avez envie de voir des jeunes dire, bah regardez mes vidéos, parce que c'est pas souvent dans les vidéos de la FFA qu'on voit du jeune dire, à part quand j'y suis dedans, et quand ils veulent bien me mettre un jeune dire sur les serveurs aussi. Parce que à part moi, bah en fait je suis le seul à aimer les jeunes dire, donc c'est pas facile tous les jours, mais bon. Julien, alias Farming Savoyard, est là pour me soutenir. En plus, je leur propose du fent aussi. Alors. Ils devraient être contents. Ils pourront en faire autant avec moi. Ce serait bien. Petit message pour toi, Seb.
Bon, allez. Allez. Bon, alors pourquoi il veut pas charger lui? Ah oui, je sais pourquoi. J'ai oublié de appuyer sur décharger ici. Normalement, ça devrait mieux fonctionner, voilà. Vous voyez, elle commence à bouger dès qu'il y en a un peu. Dès qu'il y en a un certain nombre, elle bouge. Hop, elle bouge un peu les unes sur les autres. Et... Bon, alors pourquoi ça veut plus ça? Ouais. Elle bouge les unes sur les autres, ouais, j'ai peur qu'à la sauvegarde. Là j'ai une baisse d'FPS, donc à mon avis ça doit être à cause de ça sans doute. Je vais aller les mettre ailleurs je pense. On va aller les stocker ailleurs. Que je peux les stocker là. Et on va essayer de les stocker par là, je pense. Par là. Hop, on va switcher dans le tracteur. On va essayer de pas les faire toutes tomber, ce serait pas mal. Chercher après celle-là. Désolé pour la qualité, j'ai une chute de FPS, j'espère que c'est pas dû au bot parce que sinon ça voudrait dire que je pourrais pas en faire énormément et j'en ai besoin, on en a vraiment besoin pour les cochons, donc j'espère que c'est pas ça. On verra ça on verra ça la prochaine fois. Et après je verrai pour y mettre un bâtiment, un petit bâtiment pour les stocker, pour les ranger directement. Hop, après il n'y a plus lui. Là. Ça on les stockera dedans et je vais placer avec vous les bâtiments que je vous disais tout à l'heure. Que
que Patrick m'a donné, et puis on va en profiter aussi pour pailler les cochons, comme ça, ce sera frais. On va se garder les trois là pour la pailler, je pense. Descendre, on va aller chercher la pailleuse qui est attelée aux cases, je crois. Tac, elle devrait être par là derrière le camion, si je me trompe pas. Ouais. Tac. On va mettre 3 balles dedans, je pense que ça devrait suffire largement. Tic. J'espère qu'elles vont bien vouloir aller dedans. Ouais, elles vont tomber, voilà. Le fail de la vidéo. Je ne sais plus viser. On va essayer une par une déjà. En prenant celle-là, on va essayer de mieux viser aussi, ce serait pas mal. Alors pourquoi il ne veut plus les prendre? Décidément, on est un peu embêté avec ça. Ça ne veut pas. Il faut pourtant décharger, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qu'on va faire, double fail encore. On va décharger ça. Voilà, on va le rateler. Activer le chargement automatique, et là normalement, ok. Ah, c'est parce qu'elle était à l'envers, voilà pourquoi ça marchait pas. Et là, ça ne veut toujours pas. Non, ça se reprend automatiquement. Et bien, décidément. Et oui, je sais pourquoi. Si on ouvre ça déjà, ça marcherait peut-être mieux. On va essayer d'ouvrir la porte. Toc. Et d'y mettre la balle directement dans la porte. Non, ça changera rien du tout. Ça changera rien du tout. Bon, il devait y avoir une solution au problème. Ça, c'est pour les bottes rondes. Mais... est-ce qu'avec les bottes là, ça peut le faire?
Le souci, c'est que vu que c'est le chargement automatique, dès que je la lâche, suis pas convaincu de réussir à le lever. Non, c'était sûr. Bon, on va pas faire comme ça non plus. Je pense qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, hein, comme on dit. J'ai repris l'autre de derrière. Voilà, j'en ai une déjà. Ok. Je pense avoir compris. Comme ça. Voilà. Bon, par contre, 3, je pense que c'est un peu trop. Quoique, peut-être pas. On va essayer ça. Essayer déjà de pas la faire tomber. J'en ai déjà semé assez, je pense. En plus, ça repousse pas. Donc, elle est mieux dans la remorque. Bon, alors, verdict. Là, c'est tout bon. Ils vont être contents avec ça. Voilà. Est-ce que je peux y mettre là? Je pense pas. Je pense qu'on a tout mis. On va aller la garer ici. Ça servira pour demain. Tac. Et on va se placer les petits bâtiments comme je vous ai dit, donc on va aller chercher ça dans le magasin. C'est ceux-là. Toc toc. Et voilà. Donc c'est. Merci encore à Patrick, hein, de m'avoir donné ça. Donc là vous avez tous les bâtiments avec chaque bâtiment à son. Bah à son. Non. Comment on peut dire. Chaque culture a son bâtiment, on va dire. Donc moi, il m'en faut un pour les betteraves. Donc je sais pas comment on va placer ça. Est-ce que je les mets dans le sens là ou pas? Je vais les tourner. On va les mettre comme ça, je pense. Donc voilà, celui-là c'est bon. On va regarder ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal, l'herbe sort un peu, mais bon. Ils sont pas trop mal quand même. Ça va nous faire pas mal de stockage, ça va être cool. Donc ça, je vais en reprendre un. Je vais en reprendre un pour l'herbe. On va reprendre un pour l'herbe qu'on va placer pareil, dans le même sens, juste à côté. On va essayer de les décaler un peu quand même. Là. Là. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Bah la paille, il n'y a pas besoin. Les patates non plus, est-ce que je vais les faire en. Je vais les faire en pelote, donc ouais, comme ça c'est pas mal. Puis on essaiera de se mettre
Un petit hangar pour les balles juste au niveau du fence là juste ici et puis comme ça ce sera tout bon. On aura à peu près tous les stockages qu'il nous faut. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Donc désolé encore pour le petit bug de qualité d'image. Je sais pas. J'espère que ce n'est pas dû aux balles de paille. Je vais regarder ça. Je vais remédier au problème. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se donne rendez-vous pour le troisième épisode. Allez, ciao! Je sais pas, par contre, il y a Fred, il bouge pas. Ah ouais, bah. Je sais rien faire. C'était magnifique. C'est un petit coup de cul. Oh la vache. Pourquoi tu sais rien faire? Bah, non, je sais rien faire du tout. Non. T'as descendu? Descendu ou monté? Descends. On a pu descendre. Il bouge son véhicule, hein.